Alors, la gauche radicale dans le paysage politique français contemporain est en fait extrêmement réduite, dans la mesure où elle représente une part minime de l'électorat, environ à peu près 10% de l'électorat. Cependant, socialement et intellectuellement, elle a une place beaucoup plus importante que celle qui lui est dévolue électoralement parlant, pour des raisons de densité du terreau militant, pour des raisons d'implantation locale et d'implantation nationale. On a une gauche dont l'audience est nettement supérieure à l'influence réelle. Donc cette gauche radicale a une importance évidente dans la société française, d'autant qu'elle a des racines historiques assez anciennes et que ces racines historiques font que son audience est bien plus importante que son influence aujourd'hui. C'est-à-dire que la gauche radicale, prise au sens large, pendant un temps a représenté jusqu'à 20 voire 30% de l'électorat français, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est elle est en phase déclinante, mais elle continue à avoir une audience relativement importante. Les forces de la gauche radicale sont extrêmement nombreuses, puisque nous avons une multitude de partis politiques. Et nous avons, à côté de ces partis politiques, des organisations syndicales et nous avons une myriade d'associations. Pour ce qui est des partis politiques, il y a, disons, trois grandes familles politiques. La famille politique issue du marxisme orthodoxe, la famille politique issue des marxismes hétérodoxes, c'est-à-dire les trotskismes pour faire vite, et une famille libertaire qui est un peu en dehors des deux premiers éléments. Pour ce qui est des forces syndicales, c'est une grande part de la Confédération générale du travail et parallèlement deux petites centrales syndicales, l'une plutôt qui mélange plusieurs traditions syndicales et une directement issue du syndicalisme libertaire. Et enfin, nous avons une multitude d'associations qui interviennent dans l'ensemble des secteurs de la société. Pour ce qui est des forces politiques, donc on a trois grandes... D'abord le Parti communiste, qui reste la force la plus importante de la gauche radicale, même si c'est un parti qui est en train de s'effondrer, qui n'a plus qu'une audience extrêmement limitée par rapport à celle qui a pu être son audience, enfin ce qui a pu être son audience précédemment. Et nous avons deux autres, enfin un autre courant qui est issu du trotskisme, donc qui est représenté à la fois par le NPA et par la lutte ouvrière, qui a une audience beaucoup plus limitée, bien qu'il y ait un nombre de militants très important. Et dernière nouveauté depuis une dizaine d'années, il y a qui est un rassemblement des différentes forces de la gauche radicale, qui est le Front de gauche. Alors, le problème, c'est que c'est un mouvement extrêmement pluraliste. C'est-à-dire qu'on a des courants qui ne sont pas des courants démocratiques, tant par leur passé que par leur fonctionnement interne. Et à côté de ça, nous avons ce que j'évoquais il y a deux minutes, des mouvements de société, des associations qui peuvent avoir des revendications démocratiques. Ce qui ne veut pas dire qu'au sein de ces mouvements et de ces associations, tous les membres de ces associations soient de grands démocrates. Il y a une nuance, c'est-à-dire qu'on peut avoir des associations qui peuvent réclamer plus de droits, davantage d'égalité sur un certain nombre d'aspects, d'éléments, de l'égalité sociale, davantage de droits pour des minorités, qui peuvent être des associations parfaitement démocratiques, qui s'inscrivent dans le champ démocratique, mais en même temps des militants qui continuent de se réclamer d'un modèle ancien, qui est le modèle de la dictature du prolétariat, donc modèle qui a été à l'œuvre en Union soviétique, en Chine, au Cambodge, entre 1917 et 1991, avec des variations selon les pays. Donc on a quelque chose d'assez dual, c'est-à-dire qu'on peut avoir des revendications démocratiques d'un côté, tout en ayant d'un autre côté des individus ou des individualités qui ne se réclament pas du tout de la démocratie et du modèle démocratique. Donc c'est un des paradoxes de la gauche radicale, c'est-à-dire qu'elle veut une démocratie radicale en quelque sorte, tout en ayant à côté de ça des formes d'expression et même de comportement en son sein qui ne sont pas démocratiques. Alors, les actions emblématiques, c'est une action traditionnelle qui s'inscrit dans la durée, en fait, qui est une tradition française. La première action, c'est la manifestation. Nous avons un nombre de cortèges qui sont organisés par les différents partis de la gauche radicale qui, depuis 2012,
On peut dire qu'il y a un, deux, trois cortèges par an. Après, nous avons des actions qui peuvent être des actions symboliques avec des occupations, que ce soit des occupations de locaux ou ce qu'on a comme occupation symbolique dernièrement, l'occupation de Notre-Dame-des-Landes ou l'occupation de Sivens, et puis tout dernièrement, l'occupation de la place de la République. Alors là, c'est la même chose avec des formes très paradoxales. Des gens qui se réclament d'une nouvelle forme de démocratie très participative et d'autres qui ne sont pas du tout dans cette volonté et qui veulent récupérer un mouvement pour le structurer en nouvelle forme de formation politique. Deuxième forme d'action qu'on peut retrouver, c'est une forme d'action de type syndical qui va être beaucoup plus radicale, qui ne va pas être portée uniquement sur la négociation. Si un certain nombre des acteurs de la gauche radicale peuvent négocier, une partie d'entre eux sont beaucoup plus portés vers l'action sociale relativement violente. Et troisième forme d'action, ce sera l'action associative qui peut prendre différentes formes. Ça peut être une forme écrite, comme ça peut être des formes d'intervention dans la rue via des actions, ce qu'on appelait des actions spontanées. Alors, il faut voir que ça fait partie de ces paradoxes, c'est que la gauche radicale est en grande partie composée par des intellectuels qui interviennent surtout dans les registres dans les domaines de la science humaine et des sciences sociales. Pour des raisons sociologiques relativement classiques, c'est qu'il y a eu un surinvestissement par intérêt personnel de chacun d'entre eux de ces domaines de recherche et de compétences. Donc à partir de ce moment-là, les intellectuels vont avoir tendance à produire énormément d'ouvrages, d'articles et à faire un certain nombre d'interventions médiatiques au nom de cette gauche radicale, ce qui fait que vous avez dans la gauche radicale une surreprésentation des intellectuels par rapport au reste de la société. C'est-à-dire que toutes les enquêtes qui ont pu être faites sur les membres, les militants de cette gauche radicale montrent qu'on a une surreprésentation des diplômés en sciences humaines qui peut parfois, sur certains rassemblements, atteindre jusqu'à 50% des effectifs, ce qui ne représente pas exactement la réalité de la société française. Ce qu'on peut dire sur la participation des intellectuels à la gauche radicale.